nous avons implanté cette structure multi-accueil au sein du domaine d'une maison de retraite afin de lier les deux générations, les seniors et les juniors. La capacité d'accueil de 25 enfants, nous avons à peu près 55 familles d'inscrites tout au long de l'année. Une équipe de 9 personnes avec des auxiliaires de puériculture, éducatrices de jeunes enfants, infirmières, animatrices d'éveil. Les activités qui sont mises en place au sein de la structure avec les personnes âgées. Donc il y a des rencontres tout à fait simples. Les personnes âgées viennent faire un tour, elles peuvent rentrer, chanter avec les enfants, raconter des histoires de façon spontanée. Et ensuite, nous avons des activités qui sont définies à l'avance. Donc une fois par semaine, psychomotricité au sein de la maison de retraite où les enfants se déplacent. Une activité culinaire aussi qui est mise en place. Et ensuite, nous faisons souvent nos rencontres festives, Noël, Carnaval, au sein de la maison de retraite pour leur donner un petit spectacle. Et depuis 2 ans, nous avons mis en place les premières Olympiades intergénérationnelles. Oh, c'est beau, ça. Vraiment, c'est la gaieté, on se sent bien, on se sent... Oui, c'est vrai. Aux enfants, les personnes âgées, je pense qu'elles font partie maintenant de leur lieu d'accueil, de vie, à la crèche. On va voir les papy-mamies au réveil de sieste pour aller faire de la psychomotricité, par exemple. Il y a des sourires, il y a des échanges, il y a des regards, il y a des paroles qui se partagent. Je pense que c'est un moment de bonheur qui est partagé tout simplement.